The disrespect from the American women, when it comes to the password bros, you might ask, like, where did this start? Why is this going on? They say that they're dusty. They say they're losers. They're not worth keeping. So why are they speaking out about it? Well, it's because they're projecting. They are upset because they don't feel desired. Men are not approaching women or playing games with women like they used to. They've taken the red pill, they've woken up. And quite honestly, if I was a guy or if I had a son, I would advise him to go overseas. Donc passeport bro, si jamais tu sais pas c'est quoi, c'est un mouvement. Bon, je pense que ça a toujours existé, mais là en ce moment tout le monde en parle parce que c'est symptomatique du marché du célibat en ce moment. Vu que les hommes ne trouvent pas les qualités qu'ils recherchent chez une femme dans leur pays, ben, ils vont tout simplement dans un autre pays. Donc après bon, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé. C'est juste que maintenant ça s'est accentué encore plus parce que vu que c'est de plus en plus difficile pour les hommes, bah les gars ils sont pas stupides hein. D'une part c'est plus difficile pour eux et en plus les femmes elles ont pas les qualités que recherche un homme chez une femme, en tout cas pour une épouse, pour une relation long terme. Donc les gars ils se disent bon on y va, je prends mon passeport. Apparemment j'ai entendu dire que dans les autres pays, il y a que chez nous que c'est comme ça en Occident, dans les autres pays ça se passe très bien, bah vas-y on y va alors, tu vois, c'est juste du bon sens, mais ça énerve beaucoup de femmes. Ça les énerve, tu vois. Il y en a même qui ont dit, bon, et ben à ce moment-là, si vous prenez vos passeports pour pouvoir aller dans les autres pays, nous aussi, on va faire la même chose. Et c'est là, quand j'ai entendu ça, je me dis, mais en fait, elles réfléchissent pas. En fait, t'as pas compris le principe. C'est vraiment, quand les meufs disent ça, je me dis, mais t'as vraiment pas compris le principe. Les gars de ton propre pays trouvent que tu n'as pas les qualités d'une épouse, d'une femme qui recherche. Mais tu penses que tu vas aller dans d'autres pays, mais les autres vont vouloir? All these women saying they can get their passports too, I don't think they realize how crazy foreign men are. Like, you will get your head popped off if you come at your husband sideways. So if you're asking, like, can you get ran through? Sure, that's easy. The shit you do here in the States and how horribly you treat men, that won't fly overseas. So good luck with that. The reason why that lady on the clip is saying what she's saying, which I agree with 100%. You're going to get your head popped off, the head poppers, okay? These men are going to be number one head poppers around here dealing with you, okay? This is why the vast majority of black women cannot compete with the passport bros, and it's stupid to even say so because nobody actually is checking for, coming for, looking for, trying to marry, trying to scoop up black women in mass to be their wives and to integrate them into their culture and in their community. And one of the main reasons why that is so is because the world has actually seen what black women are about. Et du coup, les femmes des autres pays, elles comprennent pas. Tu vois, moi qui ai voyagé dans plusieurs pays, Brésil, Thaïlande, Colombie, Paraguay, Canada aussi, États-Unis aussi, République d'Homme aussi. Les femmes, elles comprennent pas, tu vois. Elles disent, mais comment ça se fait que les gars, vous n'êtes pas respectés dans votre pays? Comment ça se fait que les femmes parlent aussi mal de vous? C'est bizarre quand même, elles sont un peu bizarres, tu vois. En tout cas, elles se posent des questions, elles ne comprennent pas. Elles se disent, mais attends, mais pour avant, vraiment, elles sont pas féminines et tout, elles ne comprennent pas. D'ailleurs, au passage, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Si, imaginons que tu prends, je sais pas, tu vas en Thaïlande. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. J'ai vu ça quand j'étais au Brésil. Les gars, ils arrivent et ils comparent, en fait. Par exemple, ils sont avec une Brésilienne. Ils vont dire, oh là là, c'est ouf que tu prennes soin de moi, que tu fasses ceci. Moi, dans mon pays, les femmes elles ne font pas du tout ça, etc. Parce que d'une part, peut-être qu'elle va se dire, bon, attends, mais peut-être qu'il faut que j'arrête de faire ça alors. Bon, ça m'étonnerait parce que quand même dans la culture, en général, elles sont fières d'être traditionnelles. Mais je trouve que ça fait trop comme si tu parlais de ton ex à la nouvelle femme avec qui tu es en disant, ouais, mon ex, toi tu fais ci, mais mon ex, elle faisait pas ça. Je trouve que ça fait un peu, voilà, les gars, ils aiment trop faire ça parce que j'ai des retours quand j'étais au Brésil, des femmes qui m'avaient dit ça. Elles m'ont dit, ouais, je sais que les gars, ils en ont marre des meufs dans leur pays et du coup, ils viennent pour nous, nanani, et trucs comme ça. Elles ne disaient pas dans un terme négatif, mais je trouvais que ça faisait genre un peu comme si les gars, ils font pitié, quoi, tu vois. Genre, je trouve pas que ça fait cette idée, en tout cas. Je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ben, les femmes, elles se posent des questions, elles recherchent un peu, elles disent, mais attends, mais pourquoi les filles, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles reprochent aux gars, elles comprennent pas, tu vois. After
listening and watching a lot of videos, I've come to realize that these men are very innocent. Some are good. They are wonderful people, and all they want is care and love. So why is it so hard for you to do that? And why do you keep making these hateful videos if you don't want them? We want them. They are good people. They are wonderful people. So what is wrong with that? If you cannot cook, if you cannot clean as a woman, actually, how do you take care of your hygiene? How do you clean that wig? How do you clean those nails? I don't understand you, ladies. Oh, they are going overseas for women that are more beatable. Honestly, what you're doing to yourself, you're humiliating yourself. You are. There's no way you can insult your fellow women just because we are submissive. Do you even lead your Bibles? A woman was meant to be submissive. And leadership, it's for men. Just because you're making money doesn't make you a man. And if you feel like you're a man, please get your girlfriend pregnant and please let us know. From there, we will respect you. But all I can say, please let us be. Let the passport pros be. Et quand tu réfléchis, finalement, pourquoi les meufs, elles sont vénères en fait? Elles sont vénères pourquoi en fait? Elles sont vénères parce qu'on leur a dit que tu es le prix depuis tout petite, que tu n'as rien à faire, que tu es la queen. Et là, qu'on leur dit qu'elles vont être en compétition avec d'autres femmes, dis quoi? Comment ça? Compétition de quoi? Oh, je suis la queen là, hein? J'ai aucun effort à faire, je n'ai rien à faire, hein? Comme disait Steve Harvey, la meuf, elle n'a rien à faire juste parce qu'elle peut te donner un enfant. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Elle n'a rien à faire de plus, aucun effort, rien. Elle n'a pas besoin de prendre soin de son gars. Il n'y a pas de problème. C'est une insulte pour elle que si jamais elle doit faire à manger pour son gars. Attends, je gagne mon propre argent, moi aussi. Et là, maintenant qu'on leur dit, ouais, elles vont devoir être en compétition. Mais je dis, mais c'est quoi ce délire? Comment ça? Non, vous restez là. Alors qu'en plus, la majorité des gars ne les intéresse pas. Parce qu'elles sont intéressées par les 20 à 10% des hommes. Et honnêtement, les 20 à 10% des hommes, ils vont réussir à trouver une femme féminine dans le pays où ils sont. Ce sera pas, ils vont y arriver. Même s'il y a beaucoup de 20 à 10% des hommes qui vont prendre des femmes ailleurs. So the Passport Bros is gaining more and more popularity, and honestly, the ladies are not happy about it. And one of the reasons I think it's getting so much pushback from women is because what this is going to mean is that ladies are not going to just have more competition. They're going to have more competition when it comes to dating and mating. There's going to be more options available for men, and I think for many ladies, that just makes them feel a little bit uneasy, if I'm just being honest. First of all, the idea of dating and mating being competitive in general is not anything that we grew up hearing. A lot of women grew up hearing they're the prize, they just have to be, and the man will just magically show up, that, you know, just their presence is enough. Like, we heard these things, and so the idea of competing or the idea of, you know, making yourself available or different, you know, things that you would do to make yourself desirable to another partner is very foreign, especially for black women. And so now fast forward and you have this whole group of men that are saying, hey, you aren't willing to work with us. Fine, we're going to go abroad and find women who are. It's like a mixture of shock and disdain and disgust and how dare you do this? Like, you're gonna make us have to compete? How dare you? So the thing is, I don't think it's going anywhere. I legitimately do not think that this movement is going anywhere. If anything, I think it's going to grow. And this is just the way of the economy of the world. So many things are globalized. Jobs being one of them, different career opportunities, and of course, relationships is going to be one of them. So I just think it's making a lot of women uneasy. And the good news is, if you are a good woman, whether you're in the USA or you are in, you know, Europe or you are in Asia, Africa, if you're a good woman, there's going to be no shortage of men who really want to, you know, be with you. I want to address this Passport Bros thing. Women, y'all coming on these platforms sounding real crazy. Y'all making yourself look stupid because y'all are coming on here making accusations about these men, negative accusations about these men, when you really don't know what you're talking about. You don't even know what the movement is about. You just assuming what this movement is about.
before you doing your research and looking into why these men are doing this. Okay. First of all, these men are not going over there and bringing these women back. These men are going abroad and finding wives because they can't find suitable wives here in America. And the ones that are suitable, 9 times out of 10, those are taken. Probably 10 out of 10. Okay? So they're not doing that. They're going abroad and they're staying in that country with these women because they don't want to bring them women back here to be influenced by the ways of the American woman. That makes no sense. Donc finalement, quand tu réfléchis bien, les femmes qui sont énervées, émotionnelles au sujet de ce mouvement passeport bro, c'est les femmes qui n'ont pas les qualités d'une épouse. C'est simple que ça. Les filles qui ont des qualités d'une épouse n'ont aucun stress, n'ont aucune pression. D'ailleurs, elles sont mariées. C'est normal, elles ont une qualité d'une épouse. Les femmes qui ont une qualité d'une épouse, elles sont mariées, elles ne sont pas toutes seules. Hein. Elles sont rarement comme ça, toutes seules. Non, elles ne sont pas toutes seules comme ça. Parce que beaucoup de femmes se plaignent, oui, les gars ont peur de l'engagement, ils ne veulent pas s'engager. Non, ils veulent s'engager, puisqu'ils vont dans d'autres pays et ils se marient avec les femmes dans d'autres pays. Et ils restent dans le pays. Donc les gars n'ont pas de problème pour s'engager. Hein. Malgré le mariage n'apporte pas grand avantage pour les hommes. Alors, après en Occident. Après, si tu vas dans d'autres pays, ça va, les trucs sont équilibrés, donc ça va. Après, on regarde quand même les lois du pays dans lequel tu vas habiter si jamais tu veux y vivre. Mais clairement, en Occident, tu es dans une société matriarcale, donc tu vas te faire défoncer quoi qu'il arrive. Hein. À partir du moment où on peut t'accuser sans preuve et que tu puisses aller en prison, là, je pense à l'acteur, là, Jonathan, le gars qui a joué dans Creed 3, je crois. Lui, on l'a accusé aussi, enfin, de toute façon, comme d'habitude. Hein, bon, fermons la parenthèse. Donc, c'est sûr que toutes les femmes qui disent « Ouais, moi, je suis une boss, je suis une bad bitch, je fais ce que je veux avec mon corps. » C'est une insulte pour elles si jamais elle doit te faire à manger. On n'est plus à l'ancienne, c'est fini le temps des Cro-Magnons, faut évoluer. Ah ben, c'est sûr qu'elles, elles sont vénères. Elles ne comprennent pas parce qu'en fait, elles voulaient avoir l'argent et le beurre. Mais ça ne fonctionne pas. Elles voulaient avoir un homme traditionnel, mais ne pas être traditionnel. Ça fonctionne pas. Donc les gars traditionnels, ils sont pas stupides. Les gars, à un moment donné, les gars, ils voient, bon ben, on peut prendre son billet. Chut, ok, j'y vais, Thaïlande. Je parle de Thaïlande parce que j'ai été impressionné comment même un gars genre, allez, un 6, un gars normal, genre, il arrive à toujours trouver une femme bien qui va s'occuper de lui et c'est cool, tu vois. Et ça dure, ils ont des enfants, etc. Après, ça marche partout, hein, mais j'ai été marqué, je l'ai vraiment vu en Thaïlande. Donc ce mouvement, il va s'amplifier, ça c'est sûr et certain. Ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin, hein. C'est un peu comme les business. Hein. Maintenant c'est international, tu peux ouvrir un business, je ne sais pas, moi, en Thaïlande, enfin tu peux ouvrir un business partout. C'est comme les investissements, tu vas investir peut-être en immobilier ici, tu vas investir en immobilier dans un autre pays, tu vas investir là où tu as les meilleures rentabilités. Donc ça ne va pas s'arrêter. Maintenant que les gars ont le choix, ils vont aller là où les femmes sont le mieux pour lui. C'est juste du bon sens. Après, tu me diras, ouais, mais déjà, il faudrait qu'on puisse être capable de pouvoir vivre dans un autre pays. Ah ben les gars, ça fait un moment que je te dis qu'il y a mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Déjà, c'est un coup d'œil quand même. Ok, avant de créer à l'arnaque, c'est sûr qu'il va falloir te bouger. C'est sûr qu'il va falloir créer ton business en ligne. Ou sinon, avoir un travail qui te permet d'être libre géographiquement. Tu vois, qui te permet de travailler de chez toi. Après, il y aura un petit décalage horaire, mais après, tu t'organises. Hein. Mais une fois que tu as un travail comme ça, même tu fais 2 000 euros par mois. Tu vas en Thaïlande, tu auras une belle vie, tu auras une femme qui va s'occuper de toi, tu seras bien. Après, j'ai Thaïlande, mais c'est pratiquement tous les autres pays en fait. Hein. Mais si tu fais partie des gars moyens, entre guillemets, tu fais un salaire de entre 2000 euros par mois, c'est sûr que si jamais tu t'expatries et que tu peux avoir ton salaire en euros, par exemple en Thaïlande, ouais, tu auras une belle vie. Tu seras bien, tu auras une femme qui va s'occuper de toi, qui t'aimera, ça se passera très bien. Et donc voilà, parce que de toute façon, 80% des hommes sont invisés pour les femmes. Donc, après les 20 à 10%, eux-mêmes aussi, de toute façon, en général, les gars, 20 à 10%. Et pour les 20 à 10%, si tu fais partie des 20 à 10% ou 1%, de toute façon, bon, déjà, tu as le choix là où tu es, c'est sûr. Mais même ça, moi, je connais beaucoup de gars, ils veulent même pas se prendre la tête. Tu vois, ils veulent même pas se prendre la tête.
ils voyagent déjà parce qu'ils aiment bien voyager. Et puis après, au final, ils vont se poser avec une Thaïlandaise. Et puis voilà. Donc dans tous les cas, c'est sûr que c'est un bon move. Après, est-ce que tu peux pas trouver des femmes sur place? Si, je pense que tu peux trouver des femmes sur place. Par contre, c'est sûr que trouver la perle dans tout ce bourbier, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Qu'est-ce que tu penses du mouvement Passeport Bro? Mais pour les filles qui ragent par rapport à ça, tout ce que tu as à faire, non, je serais une fille, c'est tellement facile. Tout ce que vous avez à faire, les filles, tu vois, parce que je parle des commentaires, des fois les filles elles sont vénères et tout. Je dis, en fait, c'est tellement simple, juste accepte ce qu'un homme recherche chez une femme, en fait, c'est tout. C'est pas compliqué, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. C'est franchement être féminine, s'occuper de ton gars, être traditionnel, aller à la salle de sport, faire attention à avoir un beau physique. En plus, si tu es mignonne, bah, c'est le Saint Graal. Je veux dire, si t'es un 6 déjà, t'es féminine, tu sors du marché du célibat rapidement, il y compresse tout. Hein. Mais non, mais les meufs, non. Non! Vous devez pas vouloir ça! Et après, se plaindre, chialer, c'est dur! Insensé, mais c'est ce qui fait la beauté des choses. Hein. Émotionnel, nous on est rationnel. Donc si jamais tu veux aller plus loin avec moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as mon étude de cas, ok? Et sinon, t'as Zion pour faire partie des 10%. Je t'explique tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.